Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon été. Pour ce nouveau numéro de Guitare Extrême, je vous propose une étude d'un guitariste de country qui s'appelle Johnny Hyland, qui a fait partie du groupe de Don Kelly Band. Le Don Kelly Band, c'est un groupe qu'on peut trouver à Nashville encore aujourd'hui, sur Broadway. Et en fait, tous les 4 ans, le guitariste lead est changé. Donc en fait, avant Johnny Hyland, il y avait Brent Mason. Avant Brent Mason, il y avait Red Volkart. Et après lui, Johnny Hyland, il y a eu par exemple Guthrie Trapp, que vous connaissez si vous avez suivi si vous suivez le magazine. On a parlé de lui dans l'avant-dernier numéro sur un morceau qui s'appelait Mercury Blues. Et voilà. Donc là, il s'agit d'un morceau que Johnny Hyland aime beaucoup jouer. Ça s'appelle That's Alright Mama. C'est un morceau que Elvis Presley a composé. Alors bien évidemment, vous l'aurez remarqué, on est sur un tempo très rapide. Johnny Hyland se fait plaisir. C'est vraiment un guitariste virtuose hein, de la country. Pour avoir le son, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir un bon ampli avec un son clair, une télé de préférence, c'est mieux. J'utilise juste un slapback et lui, il utilise également une pédale de compression qui est souvent utilisée par les guitaristes de country. Moi, je n'en utilise pas pour l'exemple aujourd'hui. J'ai juste donc cet ampli et ma guitare. Voilà. Donc, on va démarrer direct avec les fameux trois plans. Donc, on a au départ, un plan en La, qui est hyper sympa, qui est un plan assez rythmique, avec des bends assez rigolos. Donc on est sur une position de La qui se trouve ici. Et on va venir tout simplement bender la corde de Sol, et en gardant le Sol aigu sur la corde de Si. Donc on démarre ici. Voilà, je rappelle toujours la nécessité de bien bloquer les cordes, ce qu'on appelle le pick blocking, qui est une technique qu'utilisent les pedal steel. C'est très important parce que sinon on ne dissocie pas bien les sons. Et quand on va venir retomber sur ce plan, on va venir faire un petit double stop qui va se trouver ici. Voilà, ce qui est un petit plan qu'on pourrait entendre chez Buck Owens quelques années auparavant. Et il mélange les deux en fait. Voilà, ça c'est un plan qu'on a vu aussi chez Guthrie, qu'utilisent beaucoup de guitaristes de country, dont Johnny Hyland. L'idée c'est de venir faire une descente hein, tout simplement, mais en utilisant le twang de votre guitare. Donc là pour la leçon, je suis sur le micro chevalet. Et je viens avec la pulpe de mon doigt venir un peu claquer ses cordes. Voilà, en essayant d'être le plus précis possible, puisque là on est quand même assez rapide. C'est un morceau qui est, je pense, aux alentours de 150 à la blanche. Donc le plan au ralenti, ça va donner ça. 1, 2, 3, 4... On est sur un plan en La que vous pouvez utiliser un peu partout, même en Ré, hein, ça aurait été super. Je l'utilise même à un moment donné sur la fin du solo ici. Il me semble, je fais. Voilà, c'est une petite tick très sympa qui permet justement, vous voyez, de faire passer les 4 premières mesures sans trop de difficultés. Pour le deuxième plan, j'utilise un plan en Ré, donc qui est tout simplement sur la corde de Ré 7e.
On va venir jouer autour de plusieurs accords de Ré. Donc on a celui-ci que vous connaissez, celui-ci, celui-ci. Et on va venir s'amuser avec un espèce de Ré basse fa dièse. Voilà. On va juste rajouter à ça, dans ce plan, des cordes à vide. Regardez bien. Approcher chacune des notes avec des cordes à vide. Donc là, par exemple, je démarre sur le Fa, je vais aller jusqu'au Fa dièse et je vais jouer la corde à vide de là. Voilà, c'est le genre de plan qu'on peut retrouver dans pas mal de. Chez pas mal de guitaristes, Vince Gill, Guthrie Trapp le fait aussi. Il faut dire qu'ils habitent tous dans la même ville, donc forcément, au bout d'un moment, ils expliquent un peu les plans. Donc assez rapide. Donc, ça, c'était pour le plan en Ré. Pour le plan en Mi, on va démarrer à partir de la 7e case sur un power chord de Mi que vous connaissez. Là, on est vraiment dans l'univers Johnny Hyland. C'est un plan qu'on entend chez lui au moins 3-4 fois par solo. Et dans chaque chanson, s'il peut le faire, il le fait. Évidemment, comme chaque guitariste a ses plans, lui, il a les siens. Donc, c'est un plan en Mi qui va démarrer ici. Donc, 7e case. Donc là, en fait, on est sur un plan en Mi tout simplement qui va de la seconde jusqu'à la tierce. On descend une gamme pentatonique de Do dièse mineur, hein, qui correspond à une gamme majeure de pentatonique de Mi. On arrive jusqu'au La. Et là, en fait, on fait un espèce de. Et on va tout simplement aller chercher le La d'écart qui va être ici pour revenir sur l'accord qui suit. Et Johnny Hyland ne se prend pas trop la tête. Il redescend tout simplement. Sauf qu'on va le descendre. Vous voyez, à chaque fois, je viens jouer la note qui est au-dessus, donc le Si. Il y a juste une fois où on fait une espèce de ghost note. Vous voyez? Alors tout ça va très très vite. Donc, alors, pour travailler vos plans, je vous conseille tout simplement de commencer déjà par les sentir en les jouant hors tempo, en comprenant bien comment vos doigts vont se déplacer, que ce soit à la main gauche ou à la main droite. C'est très important de travailler lentement parce que sinon vos doigts n'ont pas le temps de mémoriser et votre tête encore moins. Et ensuite, je vous conseille de prendre tout simplement votre métronome ou une rythmique que vous avez enregistrée et de répéter 1 million de fois ces plans. Tous ces guitaristes comme Johnny Hyland ici, il faut savoir quand même qu'il jouait pratiquement 5 soirs par semaine un répertoire de 30 morceaux. Donc au bout d'un moment, évidemment, les plans commencent à rentrer. Pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, il va falloir, comme moi, passer du temps dans votre pièce à travailler ces fameuses leaks. Mais vraiment le truc le plus important, c'est de les travailler lentement. Voilà. Donc j'espère que cette approche du style de Johnny Hyland vous aura donné envie d'aller l'écouter. Vous pouvez écouter, je crois, 3 albums perso. Et puis, bah, quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro de Guitare Extrême. Merci beaucoup et puis passez un excellent automne. Ciao, ciao.